この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parada può cambiare il mondo. Falla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Cette 9e édition de la Coupe du Monde des sans-abri avec en match de groupe la rentrée dans la compétition de l'Italie qui affronte le Canada sur ce terrain pour la Coupe du Monde des sans-abri. Le Canada en rouge, blanc et noir. Le Canada qui va donc porter ses couleurs rouge et noir, et l'Italie, la squadra azzurra, évidemment en bleu. Le match va commencer. C'est parti, les deux capitaines se sont serrés la main. On va pouvoir commencer les débats. Le public est là, acclame. L'Italie et le Canada qui, je le rappelle, font leur entrée dans la compétition. Bah, le Canada, les supporters du Canada très présents, très bruyants, qui mettent l'ambiance ici à Paris, sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Les arbitres sont prêts, les gardiens font signe que c'est bon. Tout le monde est opérationnel et on va pouvoir lancer le match. C'est parti, balle pour l'Italie, c'est parti. L'Italie se met en arrière, le gardien italien va pouvoir relancer rapidement. Attention, toujours un joueur adverse dans le camp adverse. L'Italie qui déborde, attention, oh, la feinte
Malheureusement, le joueur italien contrôle mal son ballon. Le gardien canadien à la balle va pouvoir relancer. Il attend une possibilité. C'est parti. Attention, interception de l'Italie. Ça part très très vite. Tentative, mais... Et... Magnifique tentative des Italiens, mais très belle sortie du gardien canadien. Très présent dans sa surface. Mais il a touché le ballon en dehors de la surface. Donc pénalty pour l'Italie. Pénalty pour l'Italie. Pénalty indirect depuis le milieu du terrain. C'est la règle. Attention, l'attaquant italien qui va faire face au gardien canadien. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus. Mais l'Italie contrôle le match. Ils ont le pied sur le ballon. Et pour l'instant, le Canada est obligé de défendre. Attention. Percée des Italiens, mais belle défense des Canadiens pour l'instant qui sont réduits à jouer dans leur camp, ils n'ont pas le choix. La touche italienne et la feinte pour la frappe et l'ouverture du score. Ouverture du score pour les Italiens. 1-0 pour l'Italie, le Canada maintenant doit réagir. Attention, belle défense des Italiens, ça repart devant. Les défenseurs canadiens ont du mal face à la vitesse des attaquants italiens. Petit mouvement et ça tourne sur la droite. Oh, la barre. La barre pour l'attaquant italien, dommage. La défense canadienne qui a du mal à... Encore une tentative des Italiens. La défense canadienne qui a du mal à contrôler. Les mouvements tournants de l'attaque italienne, c'est très compliqué. Donc, je le rappelle, 1-0 pour l'Italie. Le gardien italien. Voilà, balle au centre. Alors... Apparemment, pénalty pour le Canada, c'est une faute italienne, j'ai pas bien vu l'action. Pénalty et ouverture du score pour le Canada. Le Canada qui revient à 1 partout suite à ce pénalty. Un peu contre le cours du jeu, mais en l'occurrence, ça fait 1 partout, les Italiens repartent à l'attaque. La tentative italienne, mais au-dessus, c'est difficile. L'attaque italienne est opposée à une bonne défense. Oh là! Oh, grosse erreur de la défense italienne. Une talonnade plein axe qui permet à l'attaquant canadien de faire passer le score à 2-1 pour le Canada. 2-1 pour le Canada face à l'Italie. Et l'Italie repart à l'attaque. On garde le ballon, on conserve un peu, on essaie de déstabiliser la défense. On repart sur un côté. Ça va être pour l'instant. Oh, la tentative. Ah, tentative italienne encore une fois. Mais c'est au-dessus. Ça tape la barre. Attention, l'Italie encore à l'attaque. Mais ils se mettent en danger. Se mettent en danger. Faute canadienne. Le joueur canadien a projeté le joueur italien dans les barrières. Il est repris par l'arbitre. Et ça joue. Balle Italie. Avec un changement. Un changement pour l'Italie. Balle Italie. Encore une frappe au-dessus. Le gardien canadien qui remet la balle sur le ballon, qui relance son équipe. Mais l'Italie récupère la balle. On le rappelle, toujours 2-1 pour le Canada contre l'Italie pour le premier, pour l'entrée dans la compétition des deux équipes. Le Canada à l'attaque. Conserve la balle sur le côté de la surface. L'Italie défend bien, joue avec les barrières. Remise dans l'axe. Ah, dommage, le joueur canadien a glissé. Contre-attaque italienne. Mais encore une frappe pas cadrée. De nouveau le... Eh non. Le gardien canadien a mis la main sur le ballon. Ça joue. Attention, on va. Dégagement un peu en catastrophe là de la défense canadienne. Encore une tentative de loin. Les Italiens maintenant tentent beaucoup de frapper de loin et ils ont du mal à cadrer. La défense canadienne est assez présente. Oh, l'interception sur la relance du gardien canadien. Et l'ouverture du réduction du score par l'Italie. Deux partout pour l'Italie. Suis ça une erreur de relance du gardien canadien, très dommage. Oh, la frappe de loin. La frappe, incroyable frappe de l'autre bout du terrain de l'attaquant canadien qui fait passer son équipe à 3-2 sur cette magnifique action. L'Italie n'a pas été attentive sur ce coup et s'est fait surprendre. Attention. Et là le gardien canadien qui sort le grand jeu et son attaque derrière. Les Canadiens terminent très très bien la première mi-temps. Changement canadien. Donc on le rappelle, le Canada qui mène 3-2 alors que le soleil s'est caché ici sur Paris et qu'il y a quelques gouttes de pluie qui tombent, mais ça n'empêche pas le jeu. Attention, la contre-attaque canadienne. Et 4-2 pour le Canada.